Je me promenais dans Paris, au détour d'une ruelle, j'ai croisé Patrick Bruel qui m'a dit: salut, Célina. Salut Patrick. Je voudrais écrire une chanson pour toi. Et pour moi? Encore mieux, que qui a le droit? Pour toi, je me casserai la voix. Aïe. Ça va Patrick? J'étais heureuse mais juste là, je me suis réveillée dans mes draps. Je me promenais dans Paris, au détour d'une ferme, j'ai croisé Vincent Delerme qui m'a dit: salut, Célina. Salut Vincent. Je voudrais t'écrire une chanson en or. C'est gentil. Mieux que Fanny Ardant et moi. Pour toi, je pourrais même chanter fort. Non. Si, si, peut-être. J'étais heureuse mais juste là, je me suis réveillée dans mes draps. Je me promenais dans Paris, au détour d'un platane, j'ai croisé Jean-Jacques Goldman qui m'a dit: salut, Célina. Salut Jean-Jacques. Je veux écrire une chanson pour toi. T'es plus sympa que Céline Dion. En plus, elle joue pas d'accordéon. Eh oui, j'étais heureuse mais juste là, je me suis réveillée dans mes draps. Je me promenais dans Paris, au détour des marais, j'ai croisé Christophe Maé qui m'a dit: salut Célina. Salut Christophe. Je veux faire un album avec toi. Moi aussi. L'accordéon j'adore, mais à la guitare je fais trois accords. J'étais heureuse mais juste là, je me suis réveillée dans mes draps. Je me promenais dans Paris, au détour d'un taxi, j'ai rencontré Johnny qui m'a dit: j'étais heureuse mais juste là, je me suis réveillée comme avant. Toutes ces stars, ça me fait rêver. Ça pourrait faire un beau